Voilà, bonjour à tous. Bonjour Michel. On a pas pu te saluer ce matin. Alors, dimanche dernier, Christian nous a parlé donc comment réagir face à une crise. Il est parti du psaume 2 et il nous a parlé donc de la prière. 3. Oui, 3. Je suis tombé. Oui. Et ce matin, je voudrais que nous parlions de la foi de David, toujours à partir du psaume 3, donc, et 3 et 4. Pourquoi ? Parce que nous avons là une situation aussi dramatique, un avenir incertain pour David, auquel nous pouvons nous identifier entre la crise sanitaire et la crise économique. Donc ce psaume 3 et 4, ces psaumes 3 et 4 nous montrent les réactions, les sentiments de David qui vit lui aussi une crise quand même intense. Et dans ces deux psaumes, nous pouvons apprendre comment faire face, en suivant l'exemple de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Alors quelle est la situation de David ? Bon, vous savez, il est roi. L'Écriture déclare que David fit toujours ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, sauf dans l'affaire d'Uri, que David fit tuer après avoir pris sa femme. Dieu le jugea par la voix du prophète Nathan, qui déclara que l'épée ne quitterait plus la maison du roi. David s'humilia réellement et se repentit. Dieu lui pardonne, mais David doit quand même assumer les responsabilités de ses actes et il récolte ce que son exemple et son caractère avaient semé dans sa famille. Sa faiblesse de caractère envers ses enfants, la violation de la loi, la luxure, la soif de vengeance se manifestent maintenant dans sa propre maison. Et nous voyons donc son fils Absalom qui veut faire un coup d'État et prendre le pouvoir à son père. David, chargé aussi d'une mauvaise conscience, s'enfuit, surtout pour éviter aussi une guerre civile au milieu de son peuple. Il veut éviter à Jérusalem les horreurs de la guerre et surtout aussi il a ce sentiment qu'il a ici les conséquences de ses actes. Donc avec le psaume 3 et 4, nous avons les états d'âme de David, comment il vit personnellement cette situation. Nous avons ses sentiments, ses réactions, un homme selon le cœur de Dieu. Donc pour nous, ça peut être aussi un modèle. Il vit cette situation dramatique, il est en danger de mort, parce que vous savez que en ce temps-là, quelqu'un qui prenait le pouvoir, qui devenait roi, il faisait tuer toute la famille et le roi qui était déchu. Tout le monde y passait. Il a un avenir incertain parce qu'il fuit Jérusalem, mais il ne sait pas trop où il va et comment ça va se passer. Et surtout, il a aussi des attaques spirituelles puisque le bruit est répandu que Dieu l'a abandonné. Donc la foi de David est mise à rude épreuve. Donc dans cette situation difficile, physique, émotionnelle, spirituelle, comment réagit David ? Sa réaction est un modèle, et parce que nous aussi nous faisons face à cette pandémie du Covid, à cette crise économique qui peut toucher les uns les autres, et tout cela peut déboucher aussi sur une crise spirituelle. Alors posons-nous quelques questions. J'ai confiance en Dieu, mais jusqu'à quelle limite ? Quelle image ai-je de Dieu ? Dieu est-il si bon ? Va-t-il répondre à mes besoins ? Et dans une situation dramatique, va-t-il être là ? Ou est-ce que je vais être obligé de fuir ? Ou prendre le contrôle de la situation si l'intervention de Dieu tarde à agir, comme Saül face à la menace des Philistins, en 1 Samuel 13. Donc voilà. David ici nous montre sa foi. Et le premier aspect de sa foi, David sait en qui il a mis sa confiance, en qui il croit. Il connaît Dieu, il connaît sa personne, il connaît sa parole. Et la foi, c'est la main qui saisit, qui apprend à connaître Dieu et mettre en pratique ses connaissances. David a appris à connaître Dieu par les Écritures, mais aussi par la pratique. Quand il réagit face à Goliath,
David a vu la main de Dieu qui a dirigé le caillou par le seul petit espace dans lequel il pouvait toucher Goliath. Quand Saül essayait de le tuer, il a vu la main de Dieu, il a vu comment Dieu agissait dans certaines circonstances dramatiques pour le protéger. Hein. Nous avons aussi l'exemple de Paul, par exemple en 2 Timothée 1,12, qui dira « Je sais en qui j'ai cru ». Et Paul écrit de sa prison à Rome, quelque temps avant son martyre, « Ce grand apôtre, usé par la vieillesse et un ministère de 30 ans, se trouve dans une cellule pour finir sa vie. » Alors imaginez Paul dans une cellule. Il s'est donné beaucoup pour ses églises, hein, on les voit à travers ses épîtres, hein. Il s'est beaucoup dépensé pour les frères et sœurs, il a enduré les privations, hein. Matthieu nous en a parlé, les douleurs, la persécution, les naufrages. Relisez ce qu'il a vécu en 1 Corinthiens 4, les versets 11 à 13, et surtout en 2 Corinthiens 11, 23 à 28. Je veux dire que je ne sais pas si on est passé par les mêmes difficultés que Paul. Maintenant, il se trouve dans le besoin et il est abandonné de tous. Au tribunal, il est seul. Il est seul à vivre ses derniers jours. Vous pouvez lire ça en 2 Timothée 4. Et dans cette situation dramatique, éprouvante au niveau physique, moral, il sait en qui il a cru. Et il pourra dire « C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. » 2 Timothée 4, 18. Et là, on voit ce Paul qui montre une assurance, une force, une paisible espérance. Pourquoi ? Parce qu'il sait en qui il croit. Et nous voyons que la foi ne repose pas donc sur des sentiments, sur des impressions, des circonstances ou des sensations, mais la foi se base sur notre connaissance de Dieu. Connaissance de son caractère, connaissance de sa révélation, ses engagements, ses promesses, ses alliances. Là, je voudrais faire une petite parenthèse. Vous savez, dans la Bible, il y a des promesses qui sont pour tout le monde, pour toutes les générations et que l'on peut saisir. Mais il y a aussi des promesses qui sont faites dans des circonstances particulières, pour un homme ou pour son peuple, des promesses qui sont ciblées pour un événement particulier et qui ne sont pas des généralités pour tout le monde. Donc il nous faut bien regarder le contexte et se poser la question, est-ce que je peux m'approprier telle promesse pour moi aujourd'hui ? Ça nous évitera de manipuler l'écriture et puis d'être déçu parce qu'on s'aperçoit que Dieu n'a pas répondu. Hein ? Il faut bien se dire aussi que toutes les promesses divines ont été réalisées en Christ, qui nous donne les promesses de la vie éternelle, de notre héritage, de notre royaume. Hein? Donc, regardons au-dessus des nuages. Notre foi doit être existentielle, concrète et ancrée dans notre vie, vécue chaque jour dans notre famille, au travail ou à l'église. Notre foi, c'est de vivre la nouvelle vie donnée par Jésus-Christ. Et cette nouvelle vie, ce n'est pas juste une amélioration de notre ancienne vie, c'est une vie complètement nouvelle. C'est le souci de vivre pour Dieu, pour ses intérêts et son œuvre. C'est être à son service dans tous les aspects de notre vie. C'est une attitude, c'est des actes, c'est un comportement et des paroles qui vont faire la différence dans ce monde. Notre foi, c'est de dire « Je sais en qui je crois ». Notre foi, c'est une coopération, une collaboration entre nous et Dieu, une obéissance à sa volonté. C'est d'abord en premier la volonté de Dieu et la nôtre après. Nous pouvons penser à cette parole de Paul en 2 Corinthiens 5, à partir du verset 6, qui nous dit « Nous sommes donc en tout temps pleins de courage, et nous savons que tant que nous nous séjournons dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous vivons guidés par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de courage, mais nous préférons quitter ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur. » Aussi,
que nous restions dans ce corps ou que nous le quittions, notre ambition est de plaire au Seigneur. Car nous aurons tous à comparaître devant le tribunal du Christ, et chacun recevra ce qui lui revient selon les actes, bons ou mauvais, qu'il aura accomplis par son corps. Donc la connaissance de Dieu est importante et cela fait une différence dans notre manière de vivre. Par exemple, prenez monsieur et madame Job. Devant les difficultés de la vie, et quelles difficultés puisqu'ils ont tout perdu, hein, enfants, biens, santé, ils n'ont plus rien. Madame Job, réaction de madame Job. Oui, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis donc Dieu et meurs. Elle croit en Dieu par intérêt, par égoïsme, centrée sur elle. Si elle est contrariée, elle envoie tout balader. Elle se détourne de Dieu, elle n'a pas confiance, elle a un cœur qui est partagé, elle n'a pas les certitudes de son mari. Monsieur Job, devant les mêmes difficultés, il dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Et il dira un peu plus loin « Je contemplerai Dieu ». Voyez, la connaissance de Dieu va faire qu'on va vivre différemment les événements. Et puis, David, au psaume 3, donc, au verset 3 à 7, il nous dit « Et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu, pourtant, ô Éternel, tu es pour moi un bouclier qui me protège. Ô toi, ma gloire, tu me feras marcher encore la tête haute. » Je crie vers l'Éternel, et de sa montagne sainte, mon Dieu m'exaucera. Je me couche et m'endors, l'esprit serein, je me réveille en paix, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi. Et au psaume 4, verset 8, il est dit « Tu mets dans mon cœur de la joie, plus qu'ils n'en auront jamais, quand les moissons abondent, quand leur vin nouveau coule. » Quand nous regardons les hommes et les femmes de la Bible, on voit qu'ils ont cette connaissance de Dieu et de Jésus-Christ qui les motive, car ils sont conscients de la réalité de sa présence à chaque instant. Et quand nous lisons la Bible, regardez la relation qu'il y a entre Dieu et ses personnages. David nous montre un autre aspect de la foi. Verset 5, « Je crie vers l'Éternel et de sa montagne sainte, mon Dieu m'exaucera ». Au verset 8, on vient de le lire, et puis on peut penser au psaume 46, où il est dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées, au cœur des mers et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. » C'est déjà les grosses catastrophes naturelles, ça. Hein, eh bien, qu'est-ce qu'il dit? Que, voilà, nous sommes sans crainte. Même quand ça se bousculera, nous serons sans crainte. Et puis, il est dit au verset 7, « L'Éternel, le maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. » Et au verset 10, « Arrêtez !» dit-il, dit le Seigneur, reconnaissez-moi pour Dieu, je triomphe des nations, je triomphe sur la terre. Une autre version dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine les nations et je domine sur la terre. Paul dira en Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Donc la foi, ça va être aussi de laisser Dieu être Dieu dans ma vie. Le verbe arrêter a du sens. Littéralement, Dieu dit, laissez tomber. Relâche tout, lâchez prise. La foi, c'est aussi ouvrir la main, c'est lâcher prise. La foi, c'est donc aussi le lâcher prise pour laisser Dieu être Dieu dans ma vie. Nous voyons avec David que le lâcher prise, ce n'est pas la démission, ce n'est pas un appel à rien faire.
Il fuit, mais il en appelle à Dieu. Ce n'est pas attendre que Dieu intervienne, qu'il fasse un miracle ou rester là à s'apitoyer sur son sort ou à se morfondre dans la peur, l'angoisse, dans l'attente que Dieu intervienne. La foi est agissante et nous pourrions dire que fais de ton mieux et laisse faire Dieu le reste. C'est comprendre, c'est reconnaître notre limite, notre impuissance, où l'on reconnaît que le résultat final n'est pas entre nos mains. Le résultat ne nous appartient pas, mais il est entre les mains de Dieu. David est pourchassé par Saül dans le désert de Ziph, qui veut attenter à sa vie. Mais David sait que Dieu est son bouclier. Et on voit que Dieu inspire Jonathan, le fils de Saül, d'aller pour fortifier la foi de David, 1 Samuel 23. Dieu veille sur nous et conduit les événements et répond à nos besoins. Autre exemple, Abraham. Abraham envoie donc son serviteur chercher une femme pour son fils dans sa patrie. Le serviteur organise le voyage. Il part avec 10 chameaux, donc des biens, du personnel. C'est carrément une caravane qui part et qui traverse le désert avec nourriture, eau, etc., etc. Il arrive à destination. Comment il va s'y prendre? Est-ce qu'il va contrôler la situation jusqu'au bout en se disant « je vais organiser des rencontres, je vais visiter les pères de famille et puis commencer à négocier les filles » ou bien « je vais observer les filles, je vais les interroger ». Bon, c'est les mœurs de l'époque. Non, il a fait ce qu'il avait à faire, ce qui était dans ses possibilités. Il a atteint ses limites, il est conscient de ses limites. Et donc, il va prier pour remettre la suite entre les mains de Dieu. Il lâche prise pour laisser Dieu agir et conduire les événements. Et il s'attend à Dieu et il est attentif à ce qui se passe. Il va regarder Dieu agir. Aujourd'hui, prenons les précautions nécessaires par rapport à ce Covid. Masque, gel, distanciation, du bon sens aussi. Et confions-nous entre les mains de Dieu pour notre vie quotidienne et vivons par la foi. Faisons le maximum dans nos limites, puis ayons confiance en Dieu pour le reste et réinventons peut-être une nouvelle vie avec notre Dieu, une nouvelle relation avec notre Dieu, d'être beaucoup plus proche de lui et d'apprendre à le connaître et à le voir agir. Deuxième principe, au verset 4, il nous est dit « Oh pourtant, ô Éternel, tu es pour moi un bouclier qui me protège. Ô toi, ma gloire, tu me feras marcher encore la tête haute. » Et au psaume 4, verset 2, « Quand je t'appelle à l'aide, Dieu qui me rend justice, ô réponds-moi, toi qui délivres de la détresse, Dieu fais-moi grâce et entends ma prière. » Il dira aussi au psaume 37, un peu plus loin, « Mets en l'Éternel toute ta confiance, fais ce qui est bien, et dans le pays tu demeureras en sécurité. En Dieu mets ta joie, et il comblera les vœux de ton cœur. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre tout ton avenir, aie confiance en lui, et il agira. » Donc, lâcher prise et laisser Dieu agir nous amène à déposer chacune de nos appréhensions, de nos inquiétudes, de nos doutes, nos soucis entre les mains de Dieu. Dieu est à l'œuvre, il contrôle la situation, il conduit les événements et surtout nos vies. Il est là, il sait ce que nous vivons, il connaît déjà notre avenir, alors nous pouvons lui faire confiance puisque notre avenir est entre ses mains. Prenez l'exemple des parents de Moïse. Le contexte, Exode 1, verset 22. « Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, « Vous jeterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. » Voilà le contexte. Exode 2, verset 1. « Cette femme, donc c'est la mère de Moïse, devint enceinte et enfanta un fils. » Elle vit qu'il était beau et le cacha pendant 3 mois. Voilà, mais un bébé, ça pleure, ça gesticule. Alors comment faire? Comment a pu réagir la maman?
Hein. Elle aurait pu essayer de contrôler la situation, s'appuyer sur ses propres forces, hein, mais peut-être fuir dans un autre pays au risque de sa vie, mais ils sont esclaves aussi, hein, donc ils auraient pu être tués. Continuer à garder l'enfant, mais un jour ou l'autre, hein, il grandit et puis il aurait été vu, il aurait été découvert et il aurait été tué. Alors, on voit la foi des parents dans le lâcher prise. Verset 3, ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Le lâcher prise. Nous connaissons la suite. Dieu va diriger les événements, va conduire le petit bateau vers la fille de Pharaon, qui eut pitié de ce petit garçon et qui sera instruit à la cour et deviendra un grand leader. Et tout cela parce qu'à un certain moment donné, les parents ont eu assez de foi pour lâcher prise et remettre leur enfant entre les mains de Dieu. Donc, c'est vrai que contrôler, maîtriser, cela rassure, mais c'est épuisant, ça use, ça provoque des insomnies, des inquiétudes, des nuits blanches, des douleurs et surtout le repli sur soi. David lâche prise devant les événements qui le dépassent. Il n'a pas de contrôle sur Absalom, sur l'avenir. Alors il lâche prise et remet son sort à l'Éternel. Il se couche, il s'endort et se réveille en paix, car il sait que l'Éternel est son soutien. Psaume 4, il est dit, il se couche et s'endort en paix. Pourquoi se faire du souci, des inquiétudes, de l'angoisse dans des situations qui nous dépassent, qui sont hors de contrôle? Tournons-nous vers Dieu et laissons Dieu être Dieu dans ma vie. Donc ce principe m'apprend que ça m'apprend la maîtrise de mon cœur. Ce problème ne m'inquiète plus parce que ce problème ne devient plus le centre de ma vie. Je place Jésus au centre de ma vie et je lui fais confiance. Ce principe m'apprend l'allégresse. Je suis dans la joie, la paix, car Jésus va résoudre mon problème, me garder et me fortifier. Et puis ce principe m'apprend la consécration. Je dépose mes soucis et je m'occupe des soucis du Seigneur. Je suis libéré de mon fardeau et donc je peux travailler pour le Seigneur. Éphésiens 2, verset 10. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec le Christ, Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Libéré de nos soucis, on peut s'occuper des œuvres que le Seigneur a prévues pour nous. Et puis ce principe m'apprend aussi la sérénité, le calme, car Dieu se charge de tout. Troisième principe, tant que nous ne comprenons pas cette réalité du lâcher prise dans nos vies, de laisser Dieu être Dieu dans ma vie, je prends le risque aussi de me priver de l'intervention de Dieu. Pourquoi ? Parce que, vous savez, Dieu est quelqu'un de très éduqué, de très poli. Il ne va pas s'imposer. C'est un Père qui nous respecte. Il se range tranquillement de côté et nous laisse faire. Tant qu'on ne l'invite pas, hein, à intervenir, il nous laisse nous débrouiller. Hein, on a comme image, nous pouvons penser à Élie, par exemple. Hein. Dieu n'était pas dans la tempête, Dieu n'était pas dans l'ouragan ou dans le feu, mais il était dans un murmure doux et léger. 1 Roi 19. Nous avons l'exemple de Jean-Baptiste, qui a un schéma de compréhension bien déterminé, une idée bien précise dans sa façon de faire, dans sa mission. Hein, il est là pour baptiser des pécheurs qui se repentent. Et puis, il voit Jésus qui vient à lui. L'agneau de Dieu parfait. Donc, il reste dans son schéma. Il s'oppose. Il résiste. En Matthieu 3, verset 13, il est dit, c'est à cette époque que parut Jésus, il se rendit de la Galilée au Jourdain auprès de Jean pour être baptisé par lui.
Mais Jean essaya de l'en dissuader. Il lui disait, mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. Et Jésus lui répondit, accepte pour le moment qu'il en soit ainsi, car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir tout ce que Dieu demande. Jésus lui dit, tu ne comprends pas, mais laisse faire, lâche prise, accepte cette situation que tu ne comprends pas, mais aie confiance. Et puis, la conséquence, c'est Jean accepta de le baptiser. Aussitôt après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau, alors le ciel s'ouvrit pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir à lui. Tant que je ne prends pas le risque de laisser Dieu être Dieu dans ma vie, je prends le risque que Dieu n'intervienne pas pleinement et puissamment dans mon cœur et dans les circonstances de ma vie. Quatrième principe, il n'y a pas de lâcher prise, d'abandon, de soumission sans un combat au préalable. Souvent nous sommes comme Moïse. Il a discerné que Dieu l'appelle à être juge et le libérateur d'Israélites. Alors il fonce avec sa volonté, avec ses forces, sa stratégie. Il voit un Égyptien frapper un Hébreu, il intervient, il tue l'Égyptien et celui-là lui vaut 40 ans dans le désert. Pour apprendre de Dieu, pour apprendre aussi du désert. Et pire, quand Dieu l'appelle enfin, ah ben là, il n'est plus d'accord. Il lutte, il refuse, il argumente. Nous voyons la patience de Dieu, mais au bout d'un moment, on voit que Dieu se met en colère pour le faire lâcher prise. Il y a une lutte avant que nous soyons prêts à lâcher prise et laisser entre les mains de Dieu notre vie. Pourquoi ? Parce qu'il y a notre vieille nature qui résiste. Notre ego a du mal à accepter de dépendre de Dieu. Notre ego a du mal à saisir ses limites et de se voir pas si fort que cela. Mais nous ne pouvons pas tout contrôler. Notre ego a du mal à capituler devant la volonté de Dieu. Donc, face à une crise, que ce soit le Covid ou autre chose, réagissons avec foi. Il y a la main qui saisit les promesses de Dieu. La foi qui saisit en qui nous croyons. Qui est Dieu ? Et pour cela, nous devons acquérir une connaissance de Dieu approfondie pour que notre foi grandisse. Donc il y a la foi qui saisit et la foi qui lâche prise, qui laisse Dieu agir. Et si nous accomplissons cela, nous pourrions appeler cela le repos que Dieu nous offre, parce qu'on se décharge de nos soucis. C'est le bonheur que Dieu nous offre. Ce repos que Dieu nous offre n'est pas là pour faire ce qui nous fait plaisir, égoïstement. Ce n'est pas pour nous distraire ou rester à la maison tranquille dans ses charentaises, mais c'est pour servir le Seigneur et surtout annoncer que Dieu est vivant et qu'il est merveilleux. Le Seigneur nous donne du repos pour que nous allions témoigner de sa grandeur, de sa justice et de sa grâce. Au psaume 4, on voit donc David, dans sa situation, qui dit « Sachez-le bien, l'Éternel s'est choisi un homme qui lui est fidèle et il m'entend quand je l'appelle. » Alors maintenant il parle à ses ennemis. « Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Réfléchissez sur votre lit, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices conformes à la loi et confiez-vous en l'Éternel. » David demande à ses auditeurs, à ses ennemis, de réfléchir et de méditer. Il les avertit sur leur état de péché. En fait, il s'intéresse à leur état spirituel. David les appelle à revenir à Dieu. Confiez-vous en l'Éternel. David raisonne avec les pécheurs, avec ses ennemis, pour les convier à la repentance et les appelle à réfléchir. Réfléchissez, vous qui négligez Dieu et son service et qui méprisez le royaume de Christ et son gouvernement. Considérez ce que vous faites, vous qui profanez le nom du Seigneur en tournant ridicule sa parole tout en faisant profession de le connaître. Vous qui le reniez par vos œuvres, réfléchissez, examinez-vous. Vous dites que vous connaissez Dieu et vous recherchez les choses d'en bas.
Vous recherchez les biens du monde, mais jusqu'à quand agirez-vous de la sorte? Ne voulez-vous pas connaître votre devoir et votre vrai intérêt? David, devant ces circonstances difficiles, fugitif, qui abandonne tout, qui fuit devant Absalom et son armée, part, il ne sait pas où, avec un avenir incertain, mais il en appelle à Dieu. Il en appelle à sa connaissance de qui est Dieu. Il en appelle à ses promesses et il lâche prise. Dans cette situation de crise, il trouve le repos, la paix et le bonheur, l'amour de Dieu. Cela lui donne l'occasion de témoigner même à ses ennemis. Le président Kennedy a fait remarquer un jour que lorsqu'il écrit en chinois, un mandat n'est pas là, il aurait pu nous le confirmer, le mot « crise » est composé de deux caractères. L'un représente un danger et l'autre représente une opportunité. Et chaque crise de nos vies que nous vivons peut être à la fois une opportunité et une menace. Alors j'ai lu ça quelque part et ça m'a plu. Dans une société où l'ego est influencé et conduit par l'écho, nous avons la responsabilité en tant que fils et filles du royaume de Dieu de manifester le co de communion, de communauté, de coopération et de compassion. C'est beau, hein ? Je relis. Dans une société où l'ego est influencé et conduit par l'écho, nous avons la responsabilité en tant que fils et filles du royaume de Dieu de manifester le co de communion, de communauté, de coopération et de compassion. Notre société nous pousse à l'individualisme, le repli sur soi, nous pousse au sans-contact, et qui, pour le bien collectif, nous incite aussi à la distanciation physique, mais ce qui entraîne aussi une distanciation sociale. Oui, cette crise est une menace. Une menace de nous faire oublier que nous sommes sel et lumière dans ce monde. Menace de refuser de se préoccuper des besoins de cette humanité dans laquelle nous vivons. Menace de laisser l'esprit de ce monde nous étouffer, nous faire perdre notre identité de témoin de Christ et d'ambassadeur de Christ. Et cette crise peut nous amener à vivre dans la peur et donc nous paralyser, nous décourager et nous amener à penser qu'à nous. Mais cette crise est aussi d'une opportunité, car quand le trouble gagne en intensité et que tout semble être bouleversé autour de nous, il est précieux de se rappeler que Dieu maîtrise les éléments qui paraissent incontrôlables aux puissants et aux savants de ce monde. Et nous avons au psaume 29, on a ce verset 10 et 11, qui nous dit « Lors du déluge, l'Éternel était roi. L'Éternel règne à tout jamais. » Quand il y a eu le déluge, Dieu était là et il regardait. Et il est dit « L'Éternel donnera la puissance à son peuple. L'Éternel bénira son peuple en lui donnant la paix. » Tout est dans le contrôle du Seigneur. Nous avons ces traits de caractère qui nous caractérisent. Et bien c'est la paix, la joie, ce calme et la confiance qui peut sécuriser, rassurer notre entourage et qui peut se refléter dans ce monde. Nous avons cette opportunité de sortir de notre zone de confort, d'aller vers l'autre avec une bonne nouvelle à leur annoncer. Verset 9. Il est parlé de l'Éternel vient le salut. Ô Éternel, fais reposer ta bénédiction sur les tiens, de rappeler à ce monde que Dieu est notre salut. Et au verset 6 du psaume 4, où il est dit, offrez des sacrifices conformes à la loi et confiez-vous en l'Éternel. Nous avons un message à communiquer. Et les bonnes nouvelles sont rares à notre époque. Alors pourquoi taire celle qui peut amener des gens du royaume de Dieu, au mieux qu'ils aillent en enfer? Alors soyons comme David, il a l'opportunité d'annoncer le bonheur, d'annoncer le salut, malgré l'opposition, malgré la crise qu'il vit, il garde le souci des âmes qui se perdent.
Ce monde tourne en rond. Il avance à tâtons. On voit que les informations sont contradictoires. La méfiance gagne du terrain. Mais par un comportement de respect des consignes, de prévention sanitaire, par notre respect à nos autorités, animé de la paix de notre Seigneur, la paix que nous a donnée notre Seigneur, de la joie du salut que nous vivons, du bonheur du pardon de nos péchés, du privilège d'être enfant de Dieu, confiant d'être soutenu par le Dieu Tout-Puissant, Créateur de ce monde, alors nous pouvons faire la différence et apporter à notre entourage l'espoir et l'espérance, un réconfort qu'ils ne trouveront nulle part ailleurs. Donc réfléchissez et comparez notre situation avec ceux qui vivent, ceux qui sont à l'extérieur. En conclusion, David est un modèle à suivre. Pourquoi ? Parce que à travers ces deux psaumes, nous voyons la foi de David triomphante. Il commence les psaumes par une plainte, une situation difficile, mais il conclut en se réjouissant de constater la puissance et la grâce de Dieu. Il découvre les avantages d'être réconcilié avec Dieu, les avantages de se confier dans la personne de Dieu, de le connaître, non pas qu'intellectuellement seulement, mais aussi de façon concrète, dans sa vie, de laisser Dieu être Dieu dans sa vie et de le laisser agir. Il expérimente aussi la puissance de Dieu qui sauve, qui protège, qui conduit, qui dirige, car il sait en qui il croit. David a été éprouvé de bien des manières, et sûrement bien plus que nous quand on lit sa vie, hein. Et cependant, Dieu lui a toujours suffi. Il se rappelle avec plaisir que dans tous ses dangers, il a toujours pu prier de tout son cœur vers Dieu et confesser son nom. David a toujours trouvé Dieu prêt à répondre à ses prières. Sous sa protection, David a toujours été en sûreté. David est fidèle et confiant en Dieu, et nous voyons ce calme admirable de Dieu, ce calme admirable qu'il a en Dieu au milieu du danger. Cette tranquillité au point qu'il peut témoigner de l'amour et de la bonté même à ses ennemis. C'est un grand bonheur lorsque nous sommes dans une situation difficile, angoissante, d'avoir un notre cœur tellement appuyé sur notre Dieu que nous pouvons manger et dormir sans crainte. Une pleine résignation à la volonté de Dieu est le moyen d'obtenir une pleine satisfaction et une entière confiance en Dieu. Une pleine résignation à la volonté de Dieu est le moyen d'obtenir une pleine satisfaction et une entière confiance en Dieu. Et n'oublions pas ce que Paul dira en Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons, que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen.